Et salut à tous, c'est Crashbreaker, on se retrouve pour l'épisode 5 du mode aventure avec Alex Hunter. Donc voilà, je voulais déjà tenir, je tenais à faire mes excuses pour les 4 vidéos qu'il y a eu, et puis même sur Mirror Edge. Voilà, j'ai mon micro qui a été désactivé, j'ai pas fait gaffe. C'est un truc ça, c'est vraiment, enfin voilà, c'est un peu la merde avec Xbox là depuis le début que j'ai démarré. Vu que j'ai démarré avec à faire des vidéos sur la Xbox, donc j'espère que ça va s'améliorer, que ça s'arrangera parce que voilà. Parce que j'ai vu qu'on était à 91, on est redescendu à 88 à cause des vidéos. Voilà, je suis un peu dégoûté. Enfin bref, voilà, on va passer à autre chose. On va repartir du bon pied et puis voilà. Donc, on va continuer cet épisode 5. Et puis après, je tournerai des vidéos sur le FIFA Ultimate Team. Et quelques-uns sur le mode carrière, manager. Et puis voilà. Donc voilà, ça sera le contenu que vous aurez ces prochains jours jusqu'à ce que j'achète FIFA. Parce que je sais pas si je le prendrai de suite, je sais pas encore, je verrai. Voilà. Donc, c'est parti. Attendez, je. Voilà, appuie sur une touche. Qu'est-ce que j'ai fait, connard? Tu as fou. Continuez. Real Madrid, mate. I know, man. I still can't believe it. Oh, you did all right out there, didn't we, mate? Ils savent qui on est, c'est que des matchs amicaux d'intersaison. Alors. I'm real, mate. But it's only a couple of pre-season friendlies. They didn't even play their starting 11. Premier League, man, that's where it's gonna matter. One of the toughest leagues in the world, bruv. Tell you what blows my mind, though. One day we're playing in some puddles in Clapham. Next, we're strutting it against Los Blancos in front of tens of thousands of Yanks. Better get used to it, bruv. We're in the big time now. With our main man up front out till who knows when, me and you. We're gonna take those Prem defences to the cleaners. You set them up, I'll put them away. Or I'll set them up and put them away. Real team player. Golden Boot contender, fam. Contenders, fam. Ouais, mon gars, je vais pas me laisser faire. But your maths, not quite so much. You bots, all right? By my calculations, only one of our first choice strikers is currently injured. And two into one do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Ouf. Eh oui, ah, ça c'était obligé. Hein. Eh ben ça chauffe, dites-moi. Bon, on va jouer peut-être, non? Enfin, je sais pas. Alors, on peut. C'est dommage que de voir Andrayou blessé, mais ça offrira plus de temps de jeu. Mes clients Alex Hunter et. En plus, il a les mêmes. D'accord. Quand l'occasion se présente, des joueurs comme Alex Hunter et Real Gazwalker doivent être prêts. Ouais, bon, bref. On n'est pas venu pour lire ça. Ah, donc on va faire des entraînements. Donc oui, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le match du Real Madrid, là, vous savez, où il y a pas, où j'ai pas de commentaires, et je crois qu'il n'y a même pas de son sur cette vidéo, d'ailleurs. Une belle catastrophe. J'avais gagné 2-1, sauf que là, en relançant le jeu, bah, j'ai dû le refaire, et là, j'ai perdu 1-0. Donc voilà. Super. Bref, alors, notre manager. Notre manager. L'écran d'accueil d'équipe recense tous les joueurs actuellement dans l'équipe. Améliorer la note donnée à Alex par son manager en étant performant en match et à l'entraînement. Si Alex dispose d'une meilleure note de la part de son manager, il a plus de chances d'être titulaire pour le match suivant. Alex sera sélectionné avant
les joueurs mieux notés s'il fait preuve de régularité. Ouais, donc là je suis pas loin d'être titulaire. Ok. Gentlemen, what do you say we do a little hard training today? Lovely, let's get cracking. Ok. Alors, il y aura quoi? Des finitions et ballon piqué. Ok. Début de l'entraînement. On va le faire, hein. Par contre, j'ai pas regardé à quelle heure j'ai lancé la vidéo. On va dire à 25. J'ai pas fait gaffe. Bon. Allez, hein. Oula, 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 oula. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah. Putain. Oh mais putain, abusé. Hein. Bon, on va réessayer une fois quand même. Hein. Ok, mieux. Oh mais non, mais des fois on dirait que ça suit pas du tout là où je veux frapper. Ah là. Là c'est mieux. Oh putain, j'ai failli le toucher. Ah là c'est déjà beaucoup mieux. Ok, on continue. Piquez votre ballon pour battre le gardien et marquer. Plus vous maintenez la touche, plus la frappe sera enlevée. LB. Attendez, parce que... Ah, ok. On va nous piquer. Oh non! Ok. Facile. Ah, le bâtard. Oh putain, deux fois le montant. Oh, celui-là il est beau. Ah non, là j'ai fait trop tôt là. Oh, celui-là il est pas. On va réessayer aussi quand même. Putain, l'enfoiré! Il fait 15 mètres de haut, lui, ou quoi? Ah non, mais là, il m'a baisé, là. Oh non, mais sérieux? Bon, on recommence. Oh non, mais alors là, d'accord. Ok, bah on va pas y arriver, hein. Ok. Ah voilà, c'est que je dose pas bien en fait. Oh la pleine Lulu quoi. Bon, on va essayer une dernière fois. Hein. Oh putain, mais. Ok, bon, bah super. Ok, bah là, je vais faire le pire des scores, à mon avis. Allez, c'est pas grave, tant pis. Oh bah là, c'est bon, j'ai réussi mon coup là. Ouf, prends celui-là. Voilà, j'ai fait le pire des scores. Magnifique. Ok, c'est pas grave. Problème de latence. Allez, c'est bon. Putain, ça me gonfle.
J'espère que ça va s'arrêter. Voilà. Ah, je monte un petit peu, mais bon, ouais, du coup, avec mon mauvais truc, bon, ben voilà, je serai remplaçant. Mate, you see my ball? Why'd you bring your granddad's old ball to try me? Have you seen it? It was in my bag. No. Mais c'est l'autre qui joue avec. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. Quoi? Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias. Ah d'accord. Get in. Yes. Come on. Come on, boy. Mate, you just watch me. Yes. What? Oh, I don't know what to do myself. I can't believe it. I can't believe it. Haha, énorme. Allez. Premier match de la saison face à Liverpool. Qui marquera le plus de buts en l'absence d'André Ayew? C'est là qu'entre en jeu les jeunes Alex Hunter et Walker. Le futur est là. Bonne chance aux jeunes, plein de talent. Sont Alex Hunter et Walker. Ils ont une belle opportunité aujourd'hui. Ok. Et bien on y va. Hein. On va jouer ce premier match de la saison en première ligue. Vous avez remarqué, ils n'ont pas encore été pris en photo. Hein. Là, on arrive à la démo, je pense. Au niveau qui était la démo. You never forget that first kick. I don't need to tell you how important a winning start is. Keep it tight, work hard for each other and the chances will come. We've all seen the team sheet. Walker, you're leading the line. Hunter and the rest of the subs, I want you ready. You're not there to get a suntan. Well, let's go and show these supporters what we can do, eh? On arrive où c'est Walker, donc qui est bien titulaire à la place de nous comme dans la démo. C'est dommage parce que du coup bah c'est pas très c'est pas aléatoire quoi. No pressure on, eh? Time to make my mark. C'est pas ça que je voulais répondre, mais bon c'est pas grave. Eh oui.
Et c'est parti, à l'instant, mais ici, outfield. L'ambiance est vraiment bien faite. C'est la titularisation pour la première fois en première ligue du jeune Gareth Walker. On pense à un petit histoire, oui. Avec le célèbre chant de Liverpool, You Never Walk Alone. Wake Alone. Allez, ça joue vers l'avant pour essayer d'avoir le score, bien sûr. Gareth Walker qui signe ses débuts en première ligue. C'est vachement bien joué en plus. Mi-temps outfield, c'est Liverpool qui mène le score. Ouais, il cherche la lucarne. Et Liverpool qui réalise. En fait, c'est le même scénario. Putain, latence de merde. C'est même, ça a l'air d'être le même scénario pour tout. Tout dépend les équipes où on va, quoi. Parce que là, je vois. Dans la démo, j'avais pris Arsenal, je crois. Suite à cette égalisation, ah non, c'était Chelsea qu'on avait. Il se passe exactement les mêmes choses. C'est pas aléatoire, c'est dommage. Ça, par contre, c'est dommage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez joué à ça, vous connaissez. Ouais, bah pour ceux qui regardent là, bah, ils vont connaître l'histoire, quoi, en fait. C'est pas. Après, ça dépendra des performances, je pense aussi. Peut-être que ça va changer au cours du jeu, mais c'est bizarre, quoi. S'il est aussi bon que Gareth Walker a été dans ce match, je pense qu'il va faire taire tout le monde. Gaff wants you to get after that back four. Centre halves are fading. Lose your pace. Get in behind them, right? You ready, lad? Allez. Il est temps de se faire une place aussi. Il veut jouer, il veut faire le cake à Walker. Cette équipe de West Ham qui semble vouloir aller chercher la victoire. Mentionner le boss avec une note de 7, assurer les passes, 10, faire un résultat, remporter le match. Ok, c'est parti. Bon, du coup, je joue quoi? BEU ou milieu offensif? Je joue BEU. On pourrait leur reprocher de jouer un petit peu trop perso là-dessus quand même. Ouais. Moi, je suis solo en plus là. Allez. Il reste un quart d'heure. Quand t'as un but là. Ok, c'est bien. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez dessus. Le casse là, il va. Oh. Spectacle avec efficacité. Le ballon est sorti, ce sera un corner pour Liverpool. Sakho. Et le ballon bloqué par le gardien. Allez, balance. Oh, oh my god! Il m'a fait quoi? Ce sera sans problème pour le gardien. Il a bien anticipé là. Mais putain, mais encore c'est quoi? C'est important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Ouais, la frappe. Excellent plongeon du gardien sur cette action. Bonne intervention du gardien. On en reste sur ce score de parité. Ça démarre pas comme je le voudrais. Ouais, bon tac, il lui a pris le ballon. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Trop tard. Trop tard. Putain.
On s'approche du but. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Kouyaté. Il écarte le jeu pour Payet. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pas personne. Ouais, le ballon qui est perdu. Et merde. Le ballon qui sort en touche. Il intercepte. On pas trop le ballon là, hein, c'est ce ballon qui est intercepté. C'est pas facile. Hein. Ouais, un bon ballon d'attaque. Pedro Biang. Le long de la ligne de touche. Hunter. Les défenseurs qui viennent. Centre. Philippe Bernard. Oh putain. Qui vient de sauver son équipe. Ouais, à mon avis, il va pas être très content après sa défense. Hein. Il vient peut-être de sauver une balle de match. Il a choisi de centrer. Le centre est bon. Oh, c'est le défenseur qui s'interpose. Alors que vous voyez les statistiques sur la possession. Ouais, pas les 2 millions de lâcher. Alors qu'un changement. Allez, pressé là. Pour le prochain arrêt de jeu. Il s'avance vers la surface. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Ça me saoule cette latence, c'est vraiment chiant. Je suis vraiment désolé. De toute façon, FIFA ça sera sur PS4 de toute manière. Donc les vidéos seront de bien meilleure qualité. Parce que là, franchement, ça me déçoit. Alberto Moreno. Oh putain, heureusement. Allez, à 5 minutes là, faut aller le mettre. Ah putain. Touche dans le camp adverse. Les deux équipes au coude à coude. On sent que celle qui va marquer maintenant hein, fera la différence. Ouais, il est venu le fixer sans débat. Elle la voilà la frappe. Oh, le sortage du gardien. Allez. Aaron Creswell. Il écarte le jeu pour Payet. Hunter, peut-être un bon coup à jouer. Ouais, bien taclé. Ballon pour Hunter. C'est quoi cette frappe de merde? Oh non. Il était trop court, con, putain. Lanzini. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Ouais, bien vu ce centre, mais c'est le défenseur qui est le plus pro. Coutinho. Allez, dessus! Un bon ballon à jouer pour les Reds. Dessus, dessus, voilà. Et bien, l'intervention, changement de possession. Ouais, non, finalement, ça trop tard, putain, mais ils mettent 20 ans à réagir. Ouais, hors-jeu, Alex Hunter, il est parti trop tôt. Ah, c'est abusé, là. Oh, ça faisait un moment que j'avais fait l'appel. Oh non. Visiblement, on estime que ce sera assez pour marquer au moins un but. Sont confiants ces supporters. Putain. Anticipation sur cette passe. Ah non, c'est pas bien fait ça. Ballon pour Hunter. Oh, il y a faute là. Ah hein. Oh, putain, c'est la dernière occasion. Oh non! Putain, elle passe juste à côté! Oh, c'est dommage! Putain, fait chier! L'autre, il a marqué en plus!
Allez, 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 presse, 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 presse. Pressé, pressé, pressé. Oh punaise, c'est pas vrai. Là, bien. Allez, ça sera peut-être la dernière, là. Ah, hop, je l'ai perdu. Sauvé, car il y a un hors-jeu signalé oh putain. Oh, il va tirer, là. Pedro Biang. Bon, bah voilà, hein. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. J'ai même pas demandé le ballon là. C'est. Coutinho. C'est dommage. Il a vu l'appel de balle. Oui. Wijnaldum. Oh putain, on a eu chaud. Ça passe tout près. Tout près. Ah, bien sûr. Voilà, les deux équipes viennent donc. Ouais, bon, bah c'était des débuts compliqués. Hein. Même sifflé la fin, le score c'est un partout. Ouais, c'est la fin. Des débuts compliqués. Bon, j'ai eu au moins la note, mais pour le reste, voilà, j'ai chié la bite. En même temps, j'ai joué que 20 minutes, on va dire. Arsenal a perdu 2-0 contre Chelsea. Manchester United s'est imposé 3-1 face à Bournemouth. Manchester City s'est aussi imposé 3-1. Et Leicester City s'est imposé 2-0. Les grosses sont imposées, quoi. An emotional day for you all around, Alex. A comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker. Bon bah ça on connaît hein, je vais vous montrer la démo. To be honest, I wasn't really thinking about it. You can't let your emotions get in the way of these big opportunities, you know? Like if you spend your time lost in the moment or focused on the past, it can pass you by. Being able to block all that out, that's what you need to be a top player. Alex, a word on coming away with a draw. A point gained or 2 points lost? Of course, we'd rather have the 3 points, but I think our approach was sound. We prepped well during the week, but like on the day, we just lacked that cutting edge. I'm sure the gaffer will have us doing extra sprints during the week. Thank you, Alex. Thank you. Bon, on voit ma barre n'est pas montée. Donc voilà. On va continuer, puis ça sera la fin de cette vidéo. Il reste 2 minutes. Si je me suis pas trompé. Il va rien se passer de plus, de toute façon, je pense là. Ils vont peut-être se séparer de toi, Alex Hunter, mais on évoque quand même un gros transfert pour West Ham, intéressé. Je trouve que l'équipe est bien. Pas besoin de dépenser tout cet argent. Faites jouer, Alex Hunter. Alex Hunter, peut-être un nouveau visage dans les vestiaires. Aide-moi à accueillir notre ami Mystère dans l'équipe. On parle beaucoup d'un gros transfert. On n'a jamais trop de bons joueurs. C'est notre quotidien, tout ce que tu dois faire, c'est progresser à chaque match. Ok. Fais pas attention aux médias, les rumeurs autour des gros transferts sont bien loin de valoir tout le tapage qu'ils suscitent. Je vais pas m'énerver pour un match nul, mais j'aimerais voir Alex Hunter un peu plus à son avantage. Il faut gagner la semaine prochaine, s'il vous plaît. Eh ben...
fait un match nul aujourd'hui. J'estime qu'Alex Hunter a fait plutôt bonne impression pour ses débuts avec West Ham. Il faudra suivre sa progression avec intérêt. C'est un très bon potentiel. Bon, voilà, on va pas tout lire hein, parce que c'est les médias, la presse, les amis. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouvera sûrement pour l'épisode 6. Ouais, je vais en faire encore un ou deux. Il me reste 8 heures de démo à peu près. 8 heures de test. Bon voilà, en tout cas, j'espère que ce cinquième épisode vous aura plu. Que jusque là ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à la partager aussi, c'est important. Hein, n'hésitez pas à partager et à aimer, c'est surtout ça en fait. Hein. Voilà, pour qu'on ait un maximum d'abonnés d'ici mi-octobre, parce que je vous rappelle qu'il y aura un concours mi-octobre pour l'anniversaire de la chaîne, pour sa première année. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao ciao, c'était Crash Breaker.